porte dans ta hotte des paquets pleins d'amour. Inventons des notes à crever les tambours. Donne-nous du bon sens, donne-nous de la foi et de la tolérance et du respect de soi. Je compte sur toi, Père Noël, je ne sais plus quoi faire. Lorsque les grands s'en mêlent, j'ai peur de leur colère. J'ai besoin pour grandir d'un peu de liberté, de régler des sourires et de sécurité. Dis-moi, Papa Noël, quand tu viendras du ciel, n'apporte pas dans mes souliers de chocolat ni de jouets. Ne nous amène pas, poupées soldats de bois, mais bien pour les grands cette fois. Ils ont besoin de toi, je crois. Fais sauter les serrures qui nous ferment le cœur. Fais éclater les murs qui masquent le bonheur. Rends-nous le goût d'aimer les choses de la vie et de tout respecter et même l'ennemi. Dis-leur, Papa Noël, que notre terre est belle, qu'on ne fait pas la guerre pour un mot ou frontière. Toi, l'ami du bon Dieu, aide-les si tu peux. C'est bien trop de tristesse, un monde sans tendresse. Dis-moi, Papa Noël, quand tu viendras du ciel, n'apporte pas dans mes souliers de chocolat ni de jouets. Ne nous amène pas, poupées soldats de bois, mais viens pour les grands cette fois. Ils ont besoin de toi, je crois. Dis-moi, Papa Noël, quand tu viendras du ciel, n'apporte pas dans mes souliers de chocolat. Ne nous amène pas, poupées soldats de bois, mais viens pour les gonfler de voix. Ils ont besoin de toi, je crois. Dis, Papa Noël, fais ça si tu m'aimes. Brrr, passe ici, hein. Claude, t'es là, non? T'es là? Claude? 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 Oui, oui, on vous attendait. Ah, salut, ah, dehors. Tu vas bien? Salut, vous avez pas voilà. Entrez vite, entrez vite. Ah oui. Vas-y, Jessica. Entrez. Débarrassez-vous. Voilà, vous asseyez. Merci. Et alors, Julie et Jessica vont chercher les boissons. Donnez-moi ça. Fermez vite la porte. Vrai hiver, hein. Voilà. Voilà, le manteau. Parfois, t'as comme ça, Claude. Non, ça va, ça va. Oh, il fait bon ici. C'est chouette, dit. Asseyez-vous, il y a du bon vin. Chouette. Il y a du bon vin. Ah bah oui, je vois, t'as pensé à tout alors. Je pense à tout. Adorable. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Quand par l'hiver, bois et grès sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Joli sapin, comme ils sont lourds, et tes bonbons, et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous, par les mains de ma mère.
fidèle ombrage de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de la paix. Mon beau sapin, tes vers sommets m'offrent la douce image. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Quand par l'hiver, bois égarés sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Tu gardes ta parure. Mon beau sapin, roi des forêts. Ah, ça c'est une bonne idée. Ah. Très bien, les filles. Merci, Julie. Ah, mais moi je m'occupe du vin. Oui. Ouais. Alors, tu veux un jus d'orange? Oui, je sais. Non, jus d'orange, non. Nous deux, on boit du vin. Dis, t'as pas ta guitare? Jus d'orange. T'as pas ta guitare ici? Si, j'ai ma guitare. Tu la prends? On va aller, on va assister. Hein. Ouais. Tiens, un jus d'orange. Tiens. Qu'est-ce voilà. qu'on fait avec la guitare? Ah, ouais. On fait du bois pour le feu. Toi, tu veux aussi? Non, garde-la un peu. Ah, voilà une petite fille qui est bien élevée. Et moi? S'il te plaît, comment? Deux enfants enlacés remontent le sentier qui mène à la chapelle. Je me souviens de nous et de nos rendez-vous au pied de Saint-Michel. Rappelle-toi nos 15 ans, nos regards étonnés de s'être rencontrés. Et monsieur le curé, qui n'en finissait pas de nous moraliser. Noël, c'est une flamme de bougie sur un sapin illuminé, et c'est notre amour confirmé. Noël, c'est le temps qui marque une pause, un instant de sécurité et tant d'émotions réveillées. En montant vers l'église, bout de terre promise, où l'on chante l'espoir, on remet à zéro les rancunes et les mots, on oublie tout ce soir. Rappelle-toi l'émotion qui chavire la raison quand un enfant nous vient. En ce soir de naissance, on donne une autre chance aux ennemis, aux chagrins. Noël, c'est une flamme de bougie sur un sapin illuminé, et c'est notre amour confirmé. Noël, c'est le temps qui marque une pause, un instant de sécurité et tant d'émotions réveillées. Deux enfants enlacés, pris pour leur destinée, comme nous avons prié. Ah, c'est chouette. Ouais, très très bien. Dis, vous n'avez pas envie d'entendre une petite histoire, les enfants? Oui. Ah, bon, eh bien alors, on va demander à qui de raconter une histoire? Barbara. Allez, tu la racontes si bien, et on regarde tous les dimanches matin. Ok, ça va. C'est une histoire qui se passe dans la campagne. C'est une ferme isolée qui est dans la campagne. Et dehors, il fait très froid, il y a de la neige, il y a du vent, c'est l'hiver. Et c'est une nuit particulière, c'est la nuit de Noël. Et dans cette ferme isolée, il y a une jeune fille d'une douzaine d'années. Et elle est là toute seule devant le feu. Et elle attend que les autres viennent pour pouvoir fêter Noël avec tout le monde. Et tout est calme. Et tout d'un coup, elle entend des pas dehors et elle ne reconnaît pas les pas, elle ne sait pas qui c'est. Puis la porte s'ouvre très violemment et elle voit sur le seuil
Un monsieur très très grand, très maigre, qu'elle n'a jamais vu, avec des yeux terribles. Alors elle est très surprise évidemment, mais elle n'a pas peur. Alors elle lui dit, ben, secouez bien vos pieds parce qu'ils sont pleins de neige et puis entrez. Et le monsieur est tout surpris de voir comme ça que la petite fille lui dit d'entrer et il entre. Et puis elle dit, mais dehors il fait froid, alors vous fermez la porte. Et ce grand monsieur terrible, qu'elle n'a jamais vu et qui ne l'a jamais vu, ferme la porte. Et puis elle lui dit, venez vous mettre à côté de moi, près du feu. Et puis le monsieur commence à poser plein de questions très très bizarres. Du style, tu es toute seule ici? Alors elle dit, non, il y a mon grand-père qui est dans la pièce à côté, il dort. Mais il ne faut pas le réveiller parce qu'il est un peu malade. Ah bon, dit le monsieur. Et il y a des chiens dans la ferme? Des questions vraiment très très étranges. Et la petite fille dit, oui, il y a un chien. Vous savez, c'est un très très vieux chien, alors je crois qu'il est allé s'enfermer quelque part, dans un petit trou, pour dormir aussi, parce qu'il a horreur de sortir quand il fait froid. Ah bon? Et puis il voit sur la table qu'il y a un morceau de pain. Il dit, je peux? Et il dit ça d'un ton très très... Et la petite fille dit, mais bien sûr, prenez, servez-vous. Et alors le monsieur dit, et vous n'avez pas peur, comme ça, toute seule? Et la petite fille dit, mais non, c'est Noël, il peut rien arriver de mal à Noël. Et la soirée se passe, le monsieur mange un bout de pain, et puis elle dit, vous avez soif peut-être? Alors le monsieur est très surpris, il dit, ben oui, j'ai soif. Et alors elle va lui chercher du vin, et elle lui donne du vin. Et puis pendant qu'il boit son vin, elle retourne près du feu, elle s'assied. Ils ne se parlent pas tellement. Elle est quand même un peu surprise, parce qu'il n'a pas un accent qu'elle connaît. Il doit venir d'un autre pays, mais enfin, elle ne dit rien. Et elle reste auprès du feu, et puis comme il est très très tard, elle s'endort. Et alors le monsieur se lève, il s'approche de la petite fille, et il la secoue tout doucement pour la réveiller. Et la petite fille dit, s'il vous plaît, avec une toute petite voix très douce. Et c'est la première fois que ce monsieur-là, depuis très longtemps, entend un « s'il vous plaît » aussi charmant. Alors il dépose un baiser sur le front de la petite fille, il part sur la pointe des pieds, et il dit dans la neige en regardant les étoiles, et cette jeune fille ne saura jamais quel miracle a eu lieu pour elle ce soir de Noël. L'astre luit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Une étable, un sauveur, un sourire au sein de la misère. Et les rois ont mis dans la poussière leur couronne éphémère. De l'amour où commence aujourd'hui son séjour, qu'il soit roi pour toujours. Oh, qu'il soit roi pour toujours.
Pourquoi vous énerver ? Avec le dévidoir 3 rouleaux Lifehide, vous tirez, vous coupez, c'est tout. Et le rouleau reste en place pour vous resservir quand vous voulez. Tirez, coupez, c'est tout. Lifehide, tout se déroule à merveille. C'est vrai, je viens des quartiers pauvres de Londres. Mais je vends de jolies fleurs à Covent Garden. Je m'appelle Eliza Doolittle. Je suis un vrai gentleman. Mon nom, Higgins. Henry Higgins, professeur de linguistique. Je vous parie que je peux faire de cette brave fille une lady digne du bal de l'ambassade et des courses d'Ascot. Pour les fêtes de fin d'année, l'Opéra Royal de Wallonie présente la plus célèbre des comédies musicales, My Fair Lady. Renseignements au 23 59 10. Top Hits 93. Les plus grands succès de l'année. Unity Mixer, Dance to French, Eddy, Captain Hollywood, Robin Ash, Géoculture, Unlimited. Top Hits 93. La meilleure compilation de l'année, signée Arcade. On peut avoir un certain âge et regarder vers l'avenir. On peut être d'ici et se tourner vers le monde. On peut être attaché aux traditions et ne pas avoir peur du changement. Groupe Vers l'avenir. Votre région, au quotidien. Voici un tout nouveau Dove. Il a cette douceur, cette délicatesse, et un parfum aussi léger que ça. Nouveau Dove Sensitive, avec moins de parfum. Dove ne dessèche pas votre peau. Oh, regardez les enfants, il neige. Eh bien, moi, j'en profite pour aller chercher quelques bûches avant qu'elles ne soient trop mouillées. Ah, super. Eh oui, super. T'as Les yeux fermés, je les vois. Ils tombent sur le Saint-Laurent comme des flocons de coton blanc. Que le fleuve emmène avec lui comme des messages vers mes filles. Ce soir, la place Jacques-Cartier n'est qu'un échiquier enneigé. Les enfants font des boules de neige et les lancent puis s'en protègent. Minuit, mes filles dorment déjà, là-bas c'est presque le matin. 6 heures qu'elles ont trouvé son noir, les cadeaux au pied du sapin. C'est pas Noël, non pas Noël, si c'est sans elle. Loin de mes filles, loin de ma vie, c'est pas Noël. C'est pas Noël, comment Noël n'est pas le leur. Je n'ai plus envie d'être chanteur, c'est pas Noël. Je me sens si souvent coupable de vivre si loin de chez moi. Je me sens tellement incapable de jouer mon rôle de papa. Il neige encore sur Montréal, c'est beau à sourire, à pleurer. Il neige et pourtant j'ai si mal, c'est beau, mais je voudrais rentrer. C'est pas Noël, non pas Noël, si c'est sans elle.
loin de mes filles, loin de ma vie, c'est pas Noël. C'est pas Noël, comme Noël n'est pas le leur. Je n'ai plus envie d'être chanteur. C'est pas Noël, non pas Noël au bout du ciel. Loin de mes enfants, non vraiment c'est pas Noël. C'est pas Noël, pour moi Noël c'est la famille. Y'a pas de Noël sans mes filles, c'est pas Noël. C'est pas Noël sans elle, c'est pas Noël. Claude? Oui, ça y est. T'as besoin d'un coup de main? Non, merci, ça ira, ça ira. C'est froid, il s'est arrêté de neiger, tiens. Non, mais ça va mieux, là. Il neige un peu moins. Voilà. Bravo. Voilà. C'est un petit peu calmé dehors. C'est bien. Ah, chouette, ce bouquin. Regarde quoi? Ça. Regarde. Le Père Noël par le Père Noël. Regarde un petit peu comme il est beau, là-dessus. Hein? C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Petit papa Noël,
est vachement chouette, ce bouquin. Hein. Ah, il est très beau. Il est très beau, oui. As-tu lu l'origine du Père Noël? Non, mais on m'a toujours dit que c'était un vieux chiffonnier. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça, en fait. Ben oui, en fait, le Père Noël est arrivé la première fois sur Terre en 1822. Donc, ça fait quelques années, c'était à New York. Mais seulement, il avait, effectivement, comme il le dit dans le bouquin, une bure, hein, c'est-à-dire, en fait, une robe de toile de jute blanche, mais bien sûr, comme il allait dans les cheminées, inévitablement, il se salissait un peu. Mais en fait, non, le Père Noël remonte à près de 3000 ans d'ici, dans les pays scandinaves, donc dans le Grand Nord. Et en fait, c'est une divinité qui s'appelait Odin et qui était toujours sur son grand fauteuil entouré de deux loups, hein, comme quoi les loups peuvent de temps en temps être associés aux enfants, dans le bon sens. Et puis, ce sont des corbeaux qu'il envoyait, qui désignaient les enfants sages, comme ça, du bec. Et alors, Odin descendait avec son cheval à huit pattes et alors il offrait les cadeaux. Et ça, c'est... En fait, Père Noël remonte après 3000 ans. L'origine du Père Fouettard, tu connais? Alors, l'origine du Père Fouettard, ben, c'est pas vraiment expliqué ici. Et par contre, ce qui est dit, c'est que le Père Fouettard a tendance à disparaître. Depuis une trentaine d'années, on le voit de moins en moins. Alors, ça veut sans doute dire que les enfants sont de plus en plus sages. Hein. Oui, je vois pas d'autre raison. Voilà. Les enfants sont très sages maintenant. Voilà, regarde un petit peu comme ils sont adorables autour de nous. Tu as dit un cheval, mais d'habitude le traîneau du Père Noël, il est tiré par des rennes. Ah oui, alors le Père Noël, effectivement, il a choisi des rennes. Alors pourquoi? Eh bien parce que dans les pays scandinaves, la neige recouvre tout le territoire et il n'y a plus rien à manger, même plus d'herbe, même pas des lichens, rien du tout. Ce qui fait que les rennes se rabattent sur des champignons qui sont très beaux, c'est les champignons rouges et blancs, qui ont d'ailleurs inspiré les couleurs du Père Noël, et sont des champignons, disons, qui sont un petit peu euphorisants, qu'on appelle des amanites tumouches. Et alors après, ben, quand ils ont terminé leur repas, ben, les rennes s'en vont, s'envolent, galopent, etc. Et alors, bien sûr, ils sont prêts à tirer le chariot avec tous les cadeaux du Père Noël. Dans les nuages. Reine des cieux, vers toi s'élève ma prière, entends la voix de ton enfant. Confiant, j'implore ton secours, donne-moi la paix. Mon cœur, meurtri par la misère, n'a plus d'espoir qu'en ton amour. Pitié, pitié, ô bonne mère, conduis mes pas vers ton Jésus. Ave Marie. Entends la voix
confiant, j'implore à ton secours. Donne-moi la paix. Mon cœur meurtri par la misère n'a plus d'espoir contre ton amour. Pitié, pitié, oh bonne mère, conduis mes pas vers ton Jésus. Ave Maria. C'est moi le Père Noël. Est-ce que tu savais qu'on avait installé un téléphone direct avec moi où tous les enfants peuvent m'appeler? Alors, fais le 077 077 088. Je répète, 077 077 088. Savoir, Claude, l'Italie, c'est pas très loin de la Belgique, mais quand même, Noël, c'est différent là-bas? C'est plus famille. C'est vrai que je dis dans une de mes chansons, il n'y a pas de Noël sans famille. Et c'est vrai, et comme par exemple, il y a tout le temps un arbre, mais un vrai arbre et une crèche. Souvent, chez nous, les deux vont de pair. C'est vrai. Et puis, c'est aussi un jour de renouement avec d'anciennes amitiés cassées. On en profite pour faire la paix? C'est le jour pour faire la paix, oui. Et toi, dans le Grand Nord? Pourquoi tu me parles du Grand Nord? Parce que tu m'as raconté. Oui, c'est vrai, c'est un vrai. Un Noël assez exceptionnel. Mais non, c'est vrai, il y a quelques années, je suis allé en Suède et je suis allé passer les fêtes de Noël là-bas. C'est prodigieux parce qu'à partir du 23 décembre, pratiquement jusqu'au 26, pendant près de 4 jours, la table est mise, il y a à manger, il y a à boire, il y a des spécialités aussi. Je ne sais pas si en Italie, mais en Scandinavie, c'est énorme. Comment, le panettone? Le panettone. Le panettone, ce gros gâteau sec. Oui, avec souvent des raisins à l'intérieur. Ah, oui. En Italie, ça. En Italie. Alors, de l'autre côté, évidemment, c'est plus froid, donc évidemment, c'est quelque chose de plus consistant, de plus préparatoire à lutter contre le froid. Donc, on fait un gros bouillon très gras dans lequel on plonge des quignons de pain, comme ça, hein, qui on laisse bien s'imbiber, puis on ressort. Ça, c'est bien gras et on mange. C'est très très bon, il faut évidemment pas trop en manger, sinon on prend quelques calories. Mais ce qu'il y a surtout de fantastique, c'est que c'est la fête en permanence, également en famille, évidemment. Je pense que ça, c'est vraiment universel. C'est comme en Italie, finalement. Et alors, les sapins, ouais, là-bas, sont inévitablement et obligatoirement toujours naturels. C'est-à-dire que, bien sûr, d'avoir des sapins artificiels, et même les bougies sont toujours des vraies bougies. Je me demande d'ailleurs comment ils ont pas de problème. Chez nous, il y a eu des incendies, mais là, je ne sais pas comment ça se fait. Il y en a pas. Il y a un miracle de Noël pour eux, pour les bougies. Mais c'est vrai que le plus important, c'est la fête, c'est la famille, c'est retrouver des amis, c'est passer un coup de fil, c'est pas forcément les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. C'est bien comme ça, hein? Le sapin, la crèche, les amis. La crèche avec le petit Jésus. Les réveillons d'antan, les messes de minuit. Où vont mourir
effet sous la neige. Où vont les mots d'enfants quand les enfants sont grands? On voudrait des oiseaux, des crayons de couleur, peindre tout au plus beau, laisser parler son cœur. Les bougies, le traîneau, les chansons, la douceur. Qu'on nous joue au piano les notes du bonheur. Qu'on espère, les larmes sur nos joues. On voudrait des oiseaux, des crayons de couleur, peindre tout au plus beau, laisser parler son cœur. Les bougies, le traîneau, les chansons, la douceur. Joue au piano les notes du bonheur. Super. Dis alors, pour retourner dans les grands classiques. Oui. Tu connais ça? Attends. Tu connais les paroles? Si. Bof. Bof, bof. Tu veux qu'on essaie? Oui. Alors, okay. On reprend. Attention. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know. And the teardrop listen, and children I'm dreaming of a white Christmas, where the blue Christmas cards are white. Maybe old and merry, she be bright. Ça n'a aucune importance, le texte. Just be right. Je sais plus. Super, hein? C'est juste en français, c'est aussi. Très très bien. Je sais plus, je crois que c'est beaucoup mieux en français, oui. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs,
maman. Et je songe à d'autres Noël blancs. Quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Oh, quand j'entends sonner au ciel l'heure où le bon vieillard descend, yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs, et je songe à d'autres Noël blancs. Oh là, c'était génial, génial. Mais malheureusement, ben, il est un petit peu tard pour les enfants. Il va falloir y aller là. Tu dis rien, toi. Le temps passe vite. Avec Claude, c'est superbe. Hein. Merci. Vraiment un grand merci pour plaisir. Cette soirée. Oui. C'est génial. Très gai. C'est vraiment une très très bonne idée. C'est tant mieux. Ces chansons. Hein. Soyons très, galants. Très chouette. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Claude. Au revoir. Allez. Salut. Au revoir. Merci. Merci, merci à vous. Au revoir à tous. Bon retour. Ouf. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire: suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source à traverser le pays, il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où au cœur de tous les hommes un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, alléluia. Gloria,
chanter, chanter Noël. Chanter, chanter Noël.